Donc, Bouba, il va faire son exposé, et on va passer aux questions et réponses. Bonjour tout le monde. Merci de votre présence encore au Conseil national du mouvement contre-SIDA. Depuis 2011, on se retrouve chaque année pour le point de presse du grand match du gala. Donc aujourd'hui, je tiens vraiment à rendre un vibrant hommage d'abord à Jean Diabaté, le frère de Serran Diabaté, et aussi à l'ambassadeur. D'abord SIDA Foot. En 2011, on a réussi à amener pas mal de stars africaines. Donc en 2014-2015 aussi, nous avons su mobiliser aussi des stars africaines au Mali. Donc on a fait 3 années déjà qu'on tombait sur le Ramadan. Donc c'était pas du tout facile. Donc sur ces 3 ans, nous avons vraiment décidé de maintenir quand même le cap, mais vraiment de laisser de côté l'arrivée des stars africaines et aussi vu la difficulté du pays aussi, donc ça nous a imposé vraiment de se concentrer que sur les joueurs 100% maliens. Donc déjà, l'essentiel est que nous avons vraiment réussi à maintenir le cap. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'amener une nouvelle vision et un nouveau nom à l'initiative. Tout d'abord, cette année, nous avons décidé de prendre le nom Foot Santé. Pourquoi Foot Santé? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde SIDA Foot, ça implique que la lutte contre le SIDA. Alors qu'aujourd'hui, quand on veut faire de cet événement un grand événement, il faut associer l'ensemble des secteurs de la santé. C'est à travers cela que nous aussi, on pourra compter sur des grands partenaires qui peuvent aussi nous aider pour qu'on pourra faire du Mali le carrefour du football mondial. Bon, cette année, quand même, Santé Foot, nous avons quand même décidé quand même de venir avec au moins 8 têtes d'affiche pour cette année. Parce que quand on remarque aujourd'hui, on prend l'exemple sur des pays comme la Guinée équatoriale, comme le Nigeria, quand vous voyez ces pays-là, il y a plus, même en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a plus de grandes salles qui circulent dans ces pays, alors qu'au Mali, nous avons la possibilité de le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des personnes capables au Mali qui sont prêtes à injecter. Parce que notre difficulté est quoi? Parce que c'est une initiative privée. Alors que si c'était une initiative venant même de l'État, ils allaient injecter beaucoup d'argent. Donc, mais nous, avec le peu de moyens, nous nous battons vraiment pour que l'initiative soit une réalité. Donc cette année, vraiment, il y a une très grande particularité. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le pays, donc ça fait un peu peur. Aujourd'hui, c'est pour ça que je tiens vraiment à saluer Dumassi Camara avec toute cette prise-là et toute cette mauvaise image qu'on voit du Mali à l'extérieur. Donc, dire de venir au Mali pour un match, c'est vraiment difficile. Et aujourd'hui, lui-même en personne, il a décidé de s'engager derrière cette initiative. Quand tu l'as vu, les massacres à Obosabo, donc il s'est dit que vraiment, le Mali ne mérite pas ça. Donc, il faut qu'on aide le Mali. Et il nous a spécialement dit de mettre le match et sous le signe de la paix et de l'unité nationale. Et la paix, c'est pour rendre hommage à tous ces victimes de la crise de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et l'unité nationale, c'est vraiment Obosabo. Parce que Obosabo, quand on voit les périls et Dogon en train de se tuer, ça fait peur. Parce que c'est des gens qui vivent ensemble depuis des années et des années. Donc aujourd'hui, vraiment, il a accepté d'apporter un grand plus. Pour redorer l'image du Mali surtout et apporter aussi un soutien à la cohésion nationale. Donc je laisse la parole à M. Dumassi Camara et je tiens encore à le remercier de tout ce qu'il est en train de faire pour ce pays. Et aujourd'hui nous sommes en partenariat aussi avec AFE, Africa Football Elite. Donc chaque année nous allons essayer d'amener plusieurs stars au Mali chaque année et aussi ça crée l'occasion aussi de vendre les talents d'Africa Football Elite au Mali. Merci. Vous avez la parole.
Je pense que le tour de la question a été fait par Bouba. Je voulais déjà m'excuser du retard. J'étais pris un petit peu dans les bouchons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'initiative, c'était Sidafoot, mais puis on a rebaptisé Foot Santé, parce que je pense que, au-delà du fait que je sois sénégalais, je pense que c'est toute l'Afrique qui est concernée. Moi, j'ai eu un très bon rapport avec Bouba. Ce qui était important pour moi, c'était la crédibilité. Comme il a dit, j'ai délaissé mes activités pour venir ce week-end au Mali de rencontrer les partenaires et voir de quelle manière on pouvait être des acteurs et non pas des spectateurs. C'est vrai, ce qui s'est passé du côté de Moussavou, ça a touché tout être humain, tout Africain. On n'est pas là pour faire de la politique, mais à un moment, on a envie de mettre les mains dans le plat et c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Donc on sait que la plupart des gens qui ont été sacrifiés là-bas sont des femmes et des enfants. Je pense que personne ne mérite ce sort-là. Bouba m'a contacté pour être ambassadeur de cet événement. C'est un événement qu'on espère périodique. Je pense que le foot a un message à faire passer. Et en tant que conscience sportive et en tant que Africain, je pense que tout à chacun doit se sentir mobilisé et doit pouvoir apporter sa contribution à certains événements. Donc, aujourd'hui, le mot était rebaptisé par Foot Santé. La guerre, on s'est décidé à foot, mais il y a beaucoup de créneaux sur lesquels on peut travailler en Afrique qui ne sont pas seulement que cette maladie horrible qui est le sida. Il y a également le paludisme, il y a également l'éducation, il y a également les massacres qui se font à gauche à droite. Donc, je pense que ce mot global de Foot Santé regroupe pas mal de secteurs d'activité et on va essayer chaque année de pouvoir cibler les personnes qui sont le plus dans le besoin pour pouvoir demain faire un travail de qualité. Donc l'idée c'est de faire venir des footballeurs. On n'a pas besoin d'avoir 10, 15, 20 joueurs, on a besoin d'avoir 6, 7 ambassadeurs qui se sont concernés par la cause et qui vont pouvoir également faire certaines démarches. On aimerait par exemple aller visiter le camp de réfugiés où se trouve la plupart des peuples, c'est pas très loin, c'est une demi-heure, une heure d'ici. On aimerait solliciter l'État pour qu'il puisse nous aider. On avait bien évidemment envie de faire payer l'entrée, mais l'entrée également, une partie des fonds, je pense, sera également reversée à ces gens qui sont en difficulté. Donc c'est vraiment un projet humanitaire au niveau du football. Vous avez de grands ambassadeurs au Mali. On peut penser à Moussa Sissoko, à N'Golo Kanté, qui, même s'ils ne jouent pas avec l'équipe nationale du Mali, sont très impliqués pour leur pays, et également tous les autres qui peuvent être les Yaya Touré, les Didier Drogba, les Ladji Diouf, moi-même. On va essayer de toucher un peu un joueur par pays, parce que comme on l'a dit, c'est un problème africain et pas seulement un problème malien. Donc pour moi, lorsque Bouba m'a contacté, ce fut avant tout un honneur. Moi, je suis très attaché au Mali. J'ai créé mon club de football et mon académie ici. Ça va faire 2 ans avec mon associé Seron Diabaté, qui était mon agent il y a plus de 20 ans. Donc moi, j'ai vraiment une histoire de cœur avec le Mali. Pour moi, Mali, Sénégal, c'est la même famille, c'est juste des frontières qui nous ont divisés, mais on est exactement le même peuple, on pense de la même manière. Donc pour moi, c'était très logique de répondre à cette invitation et de commencer ce premier événement ici à Bamako, aux côtés de Bouba, Mondia, Seron et toute la grande famille du football africain. On souhaitait également le faire juste avant la Coupe d'Afrique. On sait que la Coupe d'Afrique sera une semaine après, donc on essaye de faire du 14 au 15. Maintenant, on est un peu pris par le temps. Mais on s'est dit, quoi qu'il en soit, on va essayer de faire quelque chose parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Donc on espère que tout un chacun va pouvoir nous accompagner dans cette belle lutte qui est de montrer une très belle image de l'Afrique, parce qu'on a énormément de talent, on a énormément de richesses, et il va falloir qu'on nous tous on se sente concernés par ce qu'on a. Merci. Bon, vous avez Jean Diabaté, Ndia Diabaté, petit frère à Seron Diabaté. Donc alors, bonjour à tous. Donc bon, tout a été dit déjà, donc je vais revenir sur les mots de mon frère, de Bouba et de mon petit camarade. Cette initiative, elle est vraiment pour montrer la solidarité africaine qu'on a aujourd'hui. Je pense que le Mali a un très gros potentiel et qu'il n'est pas ce qui est montré dans l'Afrique avec ce qui se passe dans le pays. Donc de l'extérieur, on voit que le Mali, on s'en bat entre nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas normales. Il n'y a pas de championnat, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales dans les normes.
alors qu'on a tout pour réussir. Donc maintenant, nos grands frères internationaux et qui sont de l'extérieur sont venus nous donner ce soutien-là pour donner de la force et du goût aux supporters, aux gens du peuple, au Mali, pour vraiment qu'on relève la tête et on se donne de la force. Parce que le Mali, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, mais c'est tout un peuple. Et tout le monde doit se sentir concerné aujourd'hui. Nous, comme vous, vous aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, pour nous aider? Et bien, ça fera un plus. Il n'y a rien qui, même si c'est que ne serait-ce pendant le jour du match, même un sac d'eau, ben, ce serait du soutien par rapport à nous. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde doit se sentir concerné, tout le monde doit être mobilisé pour ce grand événement. Et cet événement-là, on espère que ça ne va pas être qu'une seule édition. On veut que ce soit sur du long terme. Parce qu'aujourd'hui, on veut que le Mali soit représenté. Et donc voilà, on a besoin de vous tous. Et c'est ce petit message que je voulais faire passer à tout le monde. Donc, Inch'Allah, cette première édition se passe pour le mieux. Voilà. Merci bien. Donc, on va passer aux questions. Juste dire que l'objectif de ce point de presse, c'est à travers votre personne qu'on veut vraiment appeler l'État à soutenir l'initiative. Comme Thomas si bien le dit, aujourd'hui, sans l'engagement total des autorités maliennes, ça va être difficile. Un tel événement même, ça mérite bien d'être gratuit pour le peuple malien. Surtout aujourd'hui, avec la crise du football, il n'y a pas de championnat et tout, ça peut être même un événement fédérateur pour les acteurs du football aussi. Merci. Donc on va passer aux questions. Aux questions. On va prendre 5 intervenants. Man. Ouais. On a la voix. Lumière, on peut commencer. Ouais, non, ça c'est à moi. Si je ne me trompe pas, je crois que depuis le début de Sidafoot, vous avez été toujours accompagné par le haut conseil de Sidafoot. Est-ce que cette fois-ci, vous avez démarché eux, le haut conseil, mais d'autres structures maliennes par rapport à cet événement? Si oui, laquelle? Ok, une très très bonne question. La venue de Diomassi Camara a été vraiment une très belle chose. Donne le prix Michel Sidibé, un joueur de France CFA, au champion du Mali. Le stade a toujours bénéficié de cela. Et nous pensons, bon, on ne va pas l'obliger vu qu'il est venu cette année, mais en tout cas, on compte que lui aussi, son petit engagement pourra être un grand plus pour cet événement. Donc, on va espérer sur cette chance-là. Et aujourd'hui, quand on voit aussi l'état du Mali, le Mali a plus besoin de l'unité nationale. Donc, nous pensons que le numéro 1 du pays aussi va s'engager dès cette initiative et amener l'ensemble des manières autour de la paix et de l'unité nationale. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Amara Diallo, groupe Liberté. J'ai une question qui s'adresse à vous. Pour les éditions précédentes, on a vu certaines stars annoncées qui ont été empêchées, qui n'ont pas pu faire le déplacement. Et pour cette édition précise, est-ce que les stars annoncées seront de la partie? Est-ce que vous avez la certitude que ces stars-là seront présentes? Ok, c'est une très bonne question, hein, parce que chaque fois, on voulait informer le public malien sur ça. Quand on prend même l'équipe nationale du Mali, le sélectionneur sort les 22 joueurs. Et à l'arrivée, vous verrez qu'il y a la star même de l'équipe ne sera pas présente à cause peut-être de la blessure ou d'autres problèmes. Donc aujourd'hui, nous, dans ce travail-là,
on peut avoir la certitude des joueurs qui vont venir au Mali. Donc, ils vont même nous envoyer des vidéos souvent. Et aussi, pour prouver qu'ils seront au Mali. Maintenant, à la dernière minute, s'ils nous disent qu'ils ont eu des empêchements, c'est indépendant de notre volonté. C'est pour cela qu'à chaque fois, une semaine avant l'événement, on vient annoncer la liste des joueurs confirmés pour que les gens sachent réellement que ces joueurs seront présents. Et même si ces joueurs ne seront pas présents, chaque fois que vous remarquez sur les réseaux sociaux, on annonce 3 jours 48 heures avant l'événement les joueurs qui sont en vente. Donc, comme je vous l'ai dit, la dernière fois qu'on a amené les stars africaines, c'est avec les Germino, Bertrand Traoré et Adama Gera Traoré et autres. Ça reste qu'ils ont tous continué ici. Ceux qui ont été empêchés ont été annoncés au public. Et depuis 2015 jusqu'à nos jours, on n'a pas amené les stars africaines au Mali parce qu'on tombait tout le temps sous le mois de Ramadan. Donc c'est vraiment là, bon, or pour aller loin, je sais que d'autres vont essayer de répondre cela. Comme vous avez c'est bien écrit aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons la confirmation déjà de Moussa Sissoko, de l'équipe de France, qui sera là grâce à Bakary Sanogo. Donc il y a Ngolo Kanté, donc à travers toujours Bakary Sanogo, nous allons avoir Ngolo Kanté, donc avec Djibril Sidibé aussi, dans les conditions normales. Et la Sana Diarra, Zoumana et Camara étaient annoncés, mais je pense qu'avec le report de la date du 15, ça va être un peu difficile qu'ils soient là. Donc je pense qu'au niveau de la compétence de Doumassi Camara, on a presque la confirmation de Didier à 80%. Drogba. Yaya Touré aussi, c'est presque à 90%. Lui, il est prêt à venir. Nwankwo Kanu, 90%. Karel Keita, lui, il a confirmé à 100%. Eladji Diouf, c'est 100%. Doumassi Camara même est présent. Il va être là. Donc il y a Nwankwo Kanu qui est en cours de confirmation. John Utaka, lui, il a confirmé à 100% à travers Momo de Paris. Donc Samuel Eto'o, c'est à 60% maintenant parce que lui, il est en train de voir son calendrier. Oui. Donc je pense qu'avec le concours de l'excellent Doumassi Camara, donc on pourra aussi le toucher. Mais la liste qui est là déjà, on va essayer d'avoir au moins 7, comme il a si bien dit, 7 à 8 têtes d'affiche parce que l'événement, ça coûte très cher. Donc si on a 7 à 8 joueurs confirmés, on va s'arrêter sur 7 à 8 joueurs. Et comme ça, l'année prochaine, quand ces gens seront là, et que l'important c'est... L'important de cet événement aujourd'hui, si aujourd'hui un Moussa Sissoko et un Ngolo Kanté acceptent de venir à Bamako pour cet événement, ça va donner l'envie à même d'autres joueurs africains et français de venir l'année prochaine aussi à Bamako pour l'initiative. Donc moi je pense que c'est une chance à saisir pour nous, pour le Mali, même pour les journalistes, parce qu'aujourd'hui, vous aussi, vous aurez la chance aussi d'avoir l'interview de ces grandes stars et aussi d'être proche de ces grandes stars aussi et d'être en contact avec eux permanemment. Parce que c'est ça vraiment notre objectif et ça sera même une occasion que chaque mois de juin, que les joueurs même se lèvent, d'eux-mêmes, nous appelons, on veut venir fêter au Mali à travers cette initiative. Merci. Voilà, j'ai une série de questions. Je vais juste répondre par rapport à... aux joueurs, en fait, comment ça fonctionne lorsqu'il y a des activités de la sorte, on essaie de mobiliser un maximum possible pour pas que certains joueurs se sentent frustrés. Donc on va envoyer une invitation à Didier, à Eto, à Michael Essien, à Didier Okocha, à tout un chacun. Mais après, il ne faut pas non plus faire un embouteillage. Comme il dit Bouba, demain, même si on a juste un Didier Drogba, un Didier Drogba, ça suffit. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 ambassadeurs. L'objectif, c'est à chaque fois de trouver un ambassadeur, de ramener une tête d'affiche et faire le projet autour de cette tête d'affiche. Parce que là, on a un mois de l'événement, et c'est ce que je disais à Bouba. Bien évidemment, on a envie d'avoir le maximum de joueurs, mais il faut capitaliser ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Il vaut mieux peut-être avoir aujourd'hui faire cet événement, donc si on va faire un autre événement autour des taux, un autre événement après autour des mathématiciens, c'est pas la peine d'enfiler les stars pour dire voilà, on a fait venir tous ces stars et après, à la fin, pendant un an ou deux ans, il n'y a plus rien. Donc en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Nous, on va envoyer des invitations à tout à chacun pour que demain, quand Samuel Eto'o ne dise pas voilà, aujourd'hui, vous avez fait cet événement, vous ne m'avez pas invité. On va dire voilà, on vous invite. Mais il y a certaines conditions. Il y a certains joueurs qui se déplacent d'une certaine manière ou ils demandent par rapport à leur fondation. Donc ça dépendra aussi des fonds qui vont être alloués à cette initiative. Et à partir de ces fonds-là, on dira voilà, on a peut-être un budget un peu plus conséquent pour faire venir quelques personnes ou peut-être on a un budget un peu moins. Et on va pouvoir peut-être venir faire quelqu'un qui est Didier Drogba, qui est ambassadeur de la paix, qui a beaucoup fait lorsqu'il y a eu le conflit du côté de la Côte d'Ivoire.
il y a un thème, et ce thème, ce qui est important, c'est le thème de ce qui s'est passé le 23 mars. Nous, on va tourner autour de ce thème, on a envie de voir le maximum de joueurs. Vous avez vu, pour nous, ce qui est important, c'est de faire venir les joueurs maliens, parce que les premiers concernés, c'est les joueurs maliens. Et c'est à eux de être les porte-drapeaux de cet événement-là. C'est pour ça que si on arrive à avoir un Sissoko qui a une finale de Ligue des Champions, qui a gagné le championnat d'Europe avec l'Union de France, pour moi, c'est déjà quelque chose de grand. De nous faire comprendre que voilà, revenir au pays avec un gros compté, avec Bakary Sarko et son agent, pour moi, c'est cette image-là qu'on doit véhiculer et pas juste se dire on fait venir des stars, on fait un match, etc. Mais c'est pas un match de gala. Il y a une cause derrière et cette cause-là, on veut que les gens puissent la porter avec nous et c'est un combat. C'est vraiment un combat qu'on a envie de mener par rapport à cette édition, de Ligue des Champions. J'aimerais savoir quelle est la date de tenue pour l'édition 2019. Deuxième question, normalement, vraiment, c'est tenu pour moi de juin. Et cette année, nous passons à savoir si pour année où il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous avez pensé à ça? Parmi les stars invités, je ne vois aucun joueur malien, pas du joueur malien, ça y est. Bien international, que ça soit lancé ou international malien, je ne vois aucun nom ici. Je ne sais pas si ils sont oubliés ou bien ici. C'est fait par le stress. Deuxième question, est-ce que j'ai pensé à l'aspect sur le stress dans ma firme? Quand on parle du Mali, les gens craignent beaucoup de sous ce quoi. Est-ce que vous avez pensé à ça? Et de voir quel bilan avec le président de l'édition de l'événement. La question, c'est pouvoir ou maintenant aussi. Ok. Par rapport à la date de l'événement, nous avons choisi le rêve à ses invités afin vraiment d'apporter un grand plus à l'événement. Et l'équipe Star Africaine sera complétée par les meilleurs joueurs de l'AFE. Parce que aujourd'hui, l'AFE est un partenaire stratégique aujourd'hui. Parce que quand on parle du football aujourd'hui, même des aides du Mali, on trouvera que des joueurs comme Yves Bissouma et autres là. Même on prend l'exemple sur le Cheikh Tidiane Diabaté et autres là, on parle de Bakary et de Serra. Et j'ai vraiment, moi, ma première fois de parler de cette initiative d'abord, c'était avec Ndja. Après, j'ai eu la chance de discuter à Lille avec Serra Diabaté. Donc eux aujourd'hui sont en train de développer le football. Donc à travers eux, nous pouvons faire du Mali le carrefour du football mondial. C'est pour cela que l'excellent consultant aussi, le Canal Plus, du Mansi Kamara, aussi vraiment, il est à l'amour du Mali. Donc c'est pour cela.